Thank you.
À gauche, gauche. Avec Saint-Aubin, hein, pour leur présence lors de cette commémoration. J'espère qu'ils viendront à tous. Merci à eux. Et puis mes remerciements également à tous les musiciens qui ont dû braver la météo, hein, malgré le mauvais temps. Ils ont voulu jouer et ils sont très très nombreux. Je les remercie pour leur présence. Je vais passer avant la parole à Yves, le président de l'Empalingeois, qui a quelque chose à nous dire. Merci. Bon, Roger, tu me sens venir ou pas? Non, t'es pas là? Non, voilà, alors Roger a décidé d'arrêter le bureau, on va dire, voilà. Et maintenant, il est notre directeur honoraire. T'avais trop ouvré, tu crois? T'avais pas encore 2-3 années à faire? Donc, nous, à la musique, on a une tradition, quand quelqu'un quitte le bureau, ben, on offre un petit cadeau. Roger, tu sais, c'est pas grand-chose pour les années que t'as passées, plus de 50 ans l'élan. Bah écoute, c'est une pendule, donc ça te rappellera tout le temps que tu as pensé. Exactement, oui. Hein, et puis tout le temps que tu vas penser à nous pendant qu'on joue, et hein, puis que tu nous vois pas. Mais tu peux venir aux réunions de temps en temps si tu veux. Ah bah je viens de temps en temps. Premier. Et donc c'est l'apport de toute la société. C'est pas grand. Rassurez-vous, je ne serai pas long. Je n'ai pas quitté la fanfare, je n'ai pas quitté l'élan, puisque je l'ai fondé en 65, ça fait quand même 52 ans maintenant. Et je suis content d'être avec vous, surtout d'avoir vu la jeunesse, et ça c'est l'avenir de la société. À vous tous, je vous dis merci. Merci encore. Je ne serai pas plus long.